intéressant est toujours la suite de la brève application théologique ou pastorale, n'est-ce pas? Une brève application de la thérapie pastorale dans le contexte d'une psychothérapie globale. Et souvent, ce sont des cas de gens qui ont d'abord la conception de la sorcellerie comme en Afrique en général, la conception de la maladie comme acte sorcier, la maladie de la mort, et qui cherchent à s'en sortir, hein, à contre-attaquer le sorcier, à se libérer et à se protéger contre la sorcellerie. Alors maintenant, il y a la suite du cas de Mulungu que nous avons vu avant de passer à un autre cas. Et en 67, Mulungu était soigné par Dr Massamba et d'autres médecins du McMPC. Dr Massamba est parti aux États-Unis, puis revenu à Kinshasa. Il a reçu la lettre de Mulungu le 3 mars 71. Et voici ce que Mulungu lui écrit dans cette lettre-là, le 22 février 71. Je vis maintenant, donc il a reçu la lettre le 3 mars 71, mais la lettre est écrite le 22 février 71. Je vis maintenant, Kimpese le 22 février 71. Je vis maintenant la vie de l'Esprit Saint. La maladie, Nkisi, fétiche, qu'ils m'ont injecté dans le corps, est encore là. Vivant de nouveau, les balles sont là, mais elle n'a pas encore la chance de me tuer avec le fusil. Ça, ça va. Je suis mort 7 fois depuis que tu es parti, mais j'ai été ramené à la vie 7 fois. Aujourd'hui, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant par le nom de Dieu. Notez bien par le nom de Dieu, il n'est pas le nom de Jésus. Hein? Et ça, c'est une remarque. Détail. Le conflit avec ma femme est encore vivant. Elle ne me donne même pas à manger. Je dois m'occuper de moi-même. Mes enfants ne m'aiment plus parce que je suis malade, bien que je les aime beaucoup. Ils suivent le même chemin que leur mère. Ils ont pris avec eux tout ce que je possédais. Je n'ai même pas de lit où dormir. Ils préfèrent tous me voir mort que vivant. J'ai pourtant confiance en Dieu. Alors, Dr Massamba fait un diagnostic. Manifestement, la lettre révèle qu'il y a eu une rechute parce qu'il a laissé en train de se réconcilier avec sa femme avant son retour aux États-Unis. Il y a eu une rechute dans ses relations sociales. Le problème est de savoir quels sont les autres facteurs constitutifs de la tension. Hein, la psychologie multidimensionnelle, il faut tenir compte de toutes les dimensions, les dynamiques constituent une tension donnée. La cause en est-elle dans le problème personnel, réside-t-elle dans le problème personnel ou dans l'interprétation culturelle que donne le patient de sa maladie vénérienne, est une cause possible de troubles physiques. Vous savez, la maladie vénérienne peut causer des troubles physiques et même psychiques. Il est évident que chez Mulungu Ndombasi, il s'est développé une personnalité à psychose paranoïde. Hein? La peur. Et comme précipiter le symbolisme culturel de Kindoki. Hein? La croyance de Kindoki a développé chez lui une psychose paranoïde. Et il y a aussi le syndrome cérébrochronique associé au système nerveux central. Le syndrome cérébrochronique associé au système nerveux central. Plan de traitement. Il était très difficile pour Massamba d'établir un plan de traitement à cause de la distance. Il était en ce moment-là à Kinshasa et lui à Kimpese. Alors il avait besoin de tenir compte de toutes les données nécessaires.
Premièrement, il lui suggère de suivre le traitement médical qui était proposé par le docteur et à consulter un médecin à Kinshasa qui lui a donné des médicaments que le patient devait prendre. Il y a aussi demandé, posé encore la question dans une lettre, parce qu'il y avait la correspondance des deux, il avait demandé de lui dire s'il a encore eu d'autres femmes après son départ en 1967. Est-ce qu'il a eu des femmes? Alors, il lui expliquait un peu les relations qu'il a eues en 67 ou avant, les relations qu'il a eues avec d'autres femmes. Cette information pouvait permettre au thérapeute de traiter les patients de manière plus directe en reliant sa souffrance à ses propres problèmes sexuels. Et c'est très important. Et nous savons que la sexualité peut être une porte d'entrée de beaucoup de souffrances, même au plan spirituel. Paul en parle dans 1 Corinthiens. Troisièmement, l'auteur Massamba, Dr Massamba, insistait sur le fait que essayer de trouver des sorciers qui sont responsables de sa maladie et dire à l'autre, écoutez-moi bien, chien dogmatique, essayer de trouver des solutions qui sont responsables de ta maladie ne va pas résoudre nécessairement ton problème. Tu peux considérer ta femme comme sorcière si tu ne l'aimes pas, vraiment, et si tu n'as pas confiance en elle. Il se peut que tes enfants se tournent contre toi si tu les dénonces en public, si tu les accuses de sorcellerie, si tu les menaces, tu menaces leur propre image en tant qu'être humain. Tu as aussi autorité sur tes enfants. Je ne vois pas, dit Massamba, pourquoi et comment tu les laisses t'enlever tes affaires. C'est quelque chose que seuls tes neveux et tes nièces peuvent faire. Comment se fait-il que ce sont tes enfants qui le font? Dans le coutume Congo, les biens d'un individu traditionnellement appartenaient aux neveux et pas aux enfants. Si tes enfants l'ont vraiment fait, pourquoi ne les accuses-tu pas au tribunal? Je lui demandais alors aussi de me faire savoir quel était son plan vis-à-vis de sa femme. Est-ce qu'il voulait, si tu veux te séparer de ta femme, ou tu veux qu'on ait à rester avec elle jusqu'à la mort? Un échange de lettres entre le thérapeute et le malade s'est organisé, a eu lieu, et à travers ces lettres, le malade a commencé à retrouver le sentiment de sa sécurité en sachant que quelqu'un, Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu veille sur lui et qu'il est devant Dieu un individu valable. Voici le pronostic du docteur Massamba en réalisant ce qui se passait à travers sa correspondance avec Mulungu Ndomasi. Il constatait que Mulungu Ndomasi, sa femme et ses enfants pouvaient participer à une séance de conseil de groupe pour que Mulungu soit reconnu comme une personne. Il fallait une thérapie de groupe, ce que nous appelons la technique de palabre thérapeutique. Mais ça, c'est une thérapie de groupe beaucoup plus fondée sur la parole de Dieu, l'amour de Dieu. On organise une thérapie de famille, une sorte de thérapie systémique. Il y a un dialogue. Dans ce dialogue, on se dit des vérités, on se pardonne, puis on reconnaît le père de famille comme étant vraiment le père de famille. Alors, si Mulungu Ndomasi pouvait non seulement s'appuyer sur l'interprétation populaire de sa maladie, Ndoki Ndoki Ndoki, qui est à la base de ma souffrance, mais aussi découvrir d'autres possibilités, surtout le rôle qu'il joue
dans sa maladie en n'assumant pas ses responsabilités de père et d'époux. Et en laissant les autres le contrôler. Alors, s'il pouvait arrêter de s'enfermer dans les concepts de Kindoki, dans la croyance de Kindoki, pour aller chercher, n'est-ce pas, son estime de soi, en réclamant à sa femme de la reconnaître comme le mari, de le reconnaître comme le mari, et à ses enfants de le reconnaître comme le père, géniteur de cette famille, le père qui a travaillé pour le développement de ses enfants. Et bien, s'il faisait cette opération, lui disait le thérapeute, cela allait restaurer même sa santé mentale et physique. Une autre possibilité de le soulager était qu'il divorce complètement d'avec sa femme et commence à mener une vie loin de sa femme. Il faut noter que quand il laissait sa femme pour vivre seul dans une autre petite ville qu'on appelle Kitobala, sa maladie disparut. Et quand il est revenu avec sa femme, la maladie est devenue encore, est redevenue et encore plus grave. Quand il revint à Kimpese pour vivre de nouveau avec sa femme, ses hallucinations, ses douleurs ont recommencé. Les manques d'affection de la part de sa femme peut être un élément puissant qui le renforce dans son sentiment d'indignité, d'infériorité et même dans son accusation de sorcellerie. Vivre séparé de sa femme et établir des relations significatives avec d'autres personnes qui l'accepte tel qu'il est, qui le reconnaisse tel qu'il est, dans sa petitesse, n'est-ce pas, mais qui voit dans cette petitesse la grandeur de son Créateur, devait constituer une grande thérapeutique. Les milieux donc dans lesquels il vivait étaient devenus toxiques. Il fallait désintoxiquer ces milieux ou le faire sortir de ces milieux. Il y a des mariages qui deviennent toxiques. Que faut-il faire? Soit le Seigneur entre dans ces mariages et le mariage se transforme, soit à cause de l'endurcissement des cœurs, comme l'a dit Moïse, les gens doivent se séparer. Le retour, en tout cas, de Mulungu à Kimpese pour vivre avec sa femme, renforçant encore son besoin de dépendance, son complexe d'infériorité, son attente de soins maternels. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas sortir de ce cercle vicieux de dépendance, infériorité, maladie, peur de sorcellerie. Alors, à moins que ne se produise, dit Massamba, un changement d'attitude dans la structure de la famille, Mulungu Ndombasi va continuer à souffrir le rejet et la persécution jusqu'à la mort. Il a besoin de vivre avec des personnes qui puissent devenir significatives, signifiantes, qui reconnaissent ce qu'il est comme être humain et lui donnent, n'est-ce pas, un espace d'épanouissement utile, nécessaire. Et c'est ce que nous devons faire d'ailleurs les uns les autres, quand nous nous aimons les uns les autres et nous nous soutenons les autres, les uns les autres dans la famille. Onzième et dernier cas que nous allons analyser ensemble avec le docteur Massamba, de la page 99 à la page 102, c'est un cas d'impuissance sexuelle. Il s'agit de qui? De Ndebo, qui avait été atteint de l'impuissance sexuelle alors qu'il était âgé de 50 ans. 10 ans auparavant, elle a commencé une affaire à lui et était devenue un personnage important. De 57 en 60, Ndebo fut un membre très actif du comité local du parti politique d'alors chez les Bakou, qu'on appelait Nabako. Il était même devenu l'un des dirigeants politiques de la région. Sa prospérité matérielle fut l'occasion de son second mariage en 60. De 60 à 65, il vécut avec 2 femmes. Et il eut une vie sexuelle heureuse,
abondante si vous voulez, jusqu'au moment où il commença à vivre avec une jeune fille de 18 ans nommée Ntimba. Et Ntimba était une collégienne et était fiancée à un évolué avant de devenir la femme de Ndebou. La situation économique de Ndebou supérieure à celle de l'évolué facilita leur relation. Ntimba vécut avec Ndebou pendant plusieurs années sans passer par les formalités traditionnelles du mariage. Mais 4 semaines après l'arrivée de Ntimba chez lui, Ndebo commença à se plaindre de troubles suivants. 1. Il avait des douleurs dans tout le corps et des sensations de froid qui lui entraient dans le corps par les oreilles, les reins, les narines et les rectums. Les douleurs s'intensifiaient quand il se trouvait dans un lieu fermé et la nuit, il commença à éprouver la peur, éprouver de la peur. Et une forte anxiété. Deuxièmement, quelques jours après le début de ses douleurs, il devint impuissant sexuellement. Il pouvait rien faire avec sa jeune collégienne. D'abord avec sa troisième femme, puis avec les deux premières. Il se sentit frustré et défait. Pas seulement par manque de jouissance, mais parce qu'il était incapable d'accomplir une fonction que la société assignait à l'homme marié. Sexualité finie. Il ne souffrait d'aucune maladie mentale intérieure. Un examen complet à l'hôpital ne révéla rien qui pût être la cause de ses troubles. Son système hormonal fonctionnait normalement, bien qu'il fût impossible d'obtenir son histoire médicale et celle de son clan et du clan de son père. Le peu de formation que Dr Massamba avait reçue indiquait que les membres des deux parentés de Ndebo étaient passablement de bonnes personnes et solides sexuellement. Il avait eu aussi une enfance normale chez ses parents et ses oncles. Il était né dans une des régions les plus agricoles du Zaïre, où son père et sa mère lui avaient appris à compter sur lui-même en travaillant au champ. Il grandit au village avec des parents, 4 frères et 5 sœurs. À 8 ans, il alla dans une école catholique près de son abattoir, où il apprit aussi à faire la cuisine, à laver et à repasser ses habits. Cela le prépara à devenir quelqu'un de responsable. Après ses 2 ans d'école secondaire, il alla travailler comme gérant d'un commerçant portugais. Bien épanoui, il épousa sa première femme quand il avait environ 25 ans et ce furent ses oncles qui la choisirent. En 60, il prit une seconde femme qu'il choisit lui-même pour des buts sexuels. Pas pour les buts sexuels, mais pour l'aider dans ses affaires. On lui fit pas subir des tests psychiatriques, mais il semblait souffrir d'une névrose phobique, la peur. Son anxiété s'est manifestée dans une tension corporelle des douleurs, une tension corporelle de douleurs. Un complexe de persécution se développa à la suite de ce qu'il croyait être un échec aux yeux de la société. Quel échec? L'échec de la sexualité. Il se bouchait les oreilles avec du coton et portait une lourde paire de pantalons kaki pour empêcher les sensations de froid de pénétrer son corps. Quelle est l'interprétation thérapeutique de sa maladie? Après une assemblée évangélique publique, Ndebo déclara qui ne sentait pas le besoin de devenir protestant. Il était catholique et non militant, mais qui désirait que nous prions pour sa maladie et pour chasser les mauvais esprits de sa maison. Un matin, il vint à mon bureau, au bureau de Dr Massamba, qui parle,
pour parler de son problème profond. Il parla ouvertement de ses ennuis et donna plusieurs interprétations des causes de sa maladie, conforme au cadre socioculturel. Sorcellerie, puissance mystique en étaient les facteurs dominants. En 1965, Ndebo visita Nganga. Ah, voilà ce qui l'empêchait de devenir protestant, homme de la Bible. Il visita Nganga, un guérisseur. Celui-ci lui dit que sa maladie était due à la jalousie de ses deux premières femmes, parce qu'il aimait sa plus jeune femme plus que les deux premières. Alors les deux premières, ajouta Nganga, avaient consulté un sorcier et c'est lui qui le battait chaque nuit et causait des douleurs dans tout son corps. Comme traitement, Nganga proposa à Ndebo d'aimer ses trois femmes également sans discrimination. Il lui donna aussi un morceau de bois à suspendre à son cou et une huile de palme spéciale pour des messages, capter des messages. Non, pour des massages plutôt. Une huile de palme spéciale pour des massages. Il l'assura que les esprits qui s'étaient tournés contre lui ne reviendraient plus jamais dans sa maison s'il mettait cette huile, n'est-ce pas, sur lui. De retour chez lui, Ndebo parut protégé en partie par ses traitements. Ses activités sexuelles avec ses deux premières femmes se normalisèrent, mais restèrent inopérantes avec sa troisième femme. Il continua aussi à entendre des voix d'insectes. Il alla voir aussi le prêtre belge de la mission catholique locale vers le milieu de 1966. Prières, cérémonies de purification n'améliorèrent pas son sort. Son état de santé s'empirait. À la fin de 1966, sa troisième femme le quitta et retourna au village sans enfant. Et cela accrut son anxiété et créa un réel sentiment d'échec. Son huile qu'on lui avait donnée pour se masser n'avait pas changé la situation avec la troisième femme. Il était impuissant quand il se trouvait dans le lit, sur le lit avec cette troisième femme. Rêve et diagnostic. Ndebo faisait de nombreux rêves. Et quand quelqu'un vient vous trouver, il faut écouter ses rêves. Il me les communiqua, dit Dr Massamba, tous étaient bâtis sur le même canevas. Ce canevas était centré sur des attaques de vieillards bizarres à cause des relations qu'il avait eues avec des jeunes filles. Et puis des relations avec beaucoup de jeunes filles. La nuit qui précéda sa demande de conseil, Ndebo fit quatre fois le rêve suivant. J'étais allé à la chasse avec mes deux oncles. J'ai vu une antilope. Et après avoir tiré sur elle, je m'approchais de l'endroit où elle perdait son sang. J'étais en train de me courber pour lui couper la gorge quand un homme que je ne pouvais reconnaître et qui portait deux cornes sur la tête arriva et me dit de ne pas blesser l'animal. Il me demandait de l'argent si je voulais qu'il me cède la bête. À ma surprise, l'animal s'éleva et s'enfuit. J'ai dit à l'homme que je n'avais pas d'argent, mais que je pouvais demander à mes oncles de m'aider. Je regardais autour de moi, j'étais seul avec cet homme bizarre. Je ne savais pas où mes oncles étaient partis. Je commençais à pleurer et je me réveillais. Il ajouta que la quatrième fois où il fit le même rêve, l'antilope revint voir ce qui se passait. Quand il commença à pleurer, il n'était pas sûr de la signification de ses rêves. La seule chose dont il était sûr, c'est que l'homme du rêve était un sorcier et lui demandait de l'argent pour faire de lui un sorcier. Docteur Massamba réagit. Il semble que l'homme que tu appelles un sorcier était prêt à te donner l'animal si tu lui payais l'argent qu'il te demandait.
Tu sais que l'homme ressemble à quelqu'un que je connais. Imagine qu'il ressemble à quelqu'un que tu connais aujourd'hui. Pourquoi ne pas prendre ton fusil, demander à tes oncles d'aller à la chasse, tuer l'antilope et parler à l'homme? Tu peux fermer les yeux si tu le veux. Fais comme si tu étais en train de rêver le même rêve. Et il dit, je ne veux pas fermer les yeux, parce que le rêve est exactement comme la réalité. Devo commence à parler et ferme inconsciemment les yeux. Il reconstitue toute la scène comme dans les rêves. C'est ce qu'on appelle la reconstitution thérapeutique. Et l'homme du rêve était Yalukaou. Il l'appelait par son nom. Et quand Yampambu s'approcha de Ndebo, Ndebo lui dit, tu peux seulement avoir l'antilope si tu payes pour la fille avec qui tu as habité. Et Ndebo commença à pleurer quand l'antilope s'enfuit pendant qu'il parlait à Yampambu. Tu parais avoir de la peine, Ndebo, dit Docteur Massamba, parce que l'antilope ne peut revenir. Ndebo secoua la tête pour dire qu'il est d'accord. Imagine maintenant que tu es l'antilope et que Ndebo t'appelle. Réponds-lui. Je ne peux pas venir tant que. Tant que quoi? Ndebo ouvre les yeux. Je regrette d'avoir pleuré, mais je ne pouvais accepter que ma femme parte et me laisse seule. Je vais te révéler toute l'histoire. J'ai une plus jeune femme avec qui j'ai habité durant 3 ans. Je n'ai pas encore payé la dot. D'ailleurs, je n'avais même pas eu l'approbation de ses oncles. J'ai eu honte. La fille m'est aussi apparentée, puisque nous sommes du même clan. J'ai eu tout un tas de luttes avec elle parce que je ne lui donnais pas d'enfant et que je ne l'épousais pas. Elle n'a été que ta concubine. Peut-être un animal que tu as pu tuer. J'ai toujours eu honte de cet acte et je ne me sens jamais à l'aise quand je suis avec elle. Comment peux-tu te sentir à l'aise quand elle n'est pas à toi? Dit le pasteur. C'est vrai, mais je suis attaché à elle. Elle semble t'aimer aussi. Tu te rappelles ce qu'elle a fait dans ton premier rêve quand tu parlais de son oncle. Elle m'envoie toujours beaucoup de choses. Je vais au village obtenir de mes oncles qu'ils arrangent le mariage traditionnel. Le docteur Massamba, je ne peux que t'encourager de le faire, à le faire. Il se peut que ce soit un de tes problèmes derrière tes difficultés sexuelles avec elle. Tu as violé les valeurs traditionnelles. J'aimerais que tu ailles au village pour terminer tous les problèmes avant de revenir. Ndebo partit au village la semaine qui suivit notre échange, dit Pasteur Massamba. À son retour, il me raconta que la cérémonie de mariage était bien passée, bien qu'il ait dû payer une grosse somme pour la mauvaise action qu'il avait faite. Question, thérapeute, pasteur. Est-ce que c'était bien de l'envoyer au village faire un troisième mariage? La tradition. Le problème des consanguinités était là. Cette fille était de sa famille. Un autre facteur socioculturel contribuait à l'anxiété de Ndebo. Selon la tradition, la relation clanique qui existait entre l'homme et la femme le faisait frère et sœur. Ils ne pouvaient pas se marier, ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Ndebo avait violé les normes éthiques, claniques. Et dans ses conversations postérieures avec Ndebo, le pasteur Massamba a découvert aussi qu'il craignait d'être impotent avec une jumelle, une Ntsimba. Cette femme est aussi une jumelle. Les croyances traditionnelles attribuent certains pouvoirs aux jumeaux. Et aux jumelles. On croit qu'ils communiquent avec les esprits. Ils étaient Ndebo, étaient pris par les esprits. C'est
ce cadre debout a été traité par Dr Massamba dans le respect de la tradition catholique et de la tradition africaine, clanique. Mais il y avait des principes éthiques qui pouvaient permettre au Dr Massamba de faire sortir Ndebo de ses chaînes. Question pour vous, thérapeute africain et thérapeute moderne. Si c'était vous, comment allez-vous traiter les cas d'un debout?